A powerful storm in northwestern Europe has killed at least one person in France and left over 1.2 million people without electricity. French energy supplier Enedis has stated that most of those left without power are in northwestern region of Brittany. The power cuts have been caused by the fallen trees and electricity pylons uprooted as a result of Storm Siren that is one of the strongest storms in decades. The person who was killed was hit by a falling branch while driving. According to the French Transport Minister Clement Beaune, the speed of winds in northwest of France exceeds 120 km per hour, with gusts at hurricane force levels of more than 200 km in the department of Finisterre. The storm has also hit the British Isles and Channel Islands, where red alert warnings are in place. Ça m'embête un petit peu parce qu'on a eu, en fait il y a un arbre qui est tombé sur l'autoroute. Donc ce matin on a pris 2 heures pour un trajet qui dure 30 minutes normalement. C'est pour ça qu'on a raté notre train. Et on nous a mis sur un autre train qui est en retard et du coup les correspondances, voilà. Ce qui veut dire que c'est inédit en France, c'est la première fois. Normalement c'est un truc tropical, mais ça atteint les côtes françaises et c'est en France. Ce qui veut dire que normalement, géographiquement parlant, ben, ça doit être beaucoup plus éloigné. Mais c'est tellement chamboulé dans la planète, comment vous voulez qu'une telle tempête n'arrive pas en France pour qu'il n'y ait même plus de poissons dans l'océan? Et tout ça, c'est l'homme qui est en train de payer ce qu'il a fait, tout simplement. C'est inquiétant. Je vous parle pas d'une inquiétude où le vent va me prendre ou le poteau va tomber sur moi. Non, je suis pas seul. On est un groupe d'individus qui vivent sur cette terre. Vous voyez, le plus inquiétant, c'est pas ce qu'on vit actuellement maintenant. Le vent, il est en train de nous souffler. Mais ce qui est inquiétant, c'est ce qu'il y a à venir pour nos enfants, pour le futur.